s'en est sorti d'une belle, hein. On s'en est sorti d'une belle, on s'en est sorti d'une belle, mais ça a été un miracle, hein. Ouais. On s'en est sorti d'une belle cette fois-ci. Oui, mais là. Vous voyez ce que je vois au moins? Encore le magnéto, mais c'est pas possible ça. Mais ça, c'est vraiment impossible. Évidemment, comme c'est impossible, alors on nous fait appel à nous. Mais voilà. Écoutez, bon, mais de toute façon, c'est par là ou par la porte. Hein. Il faut qu'on voit qu'est-ce qu'il y a maintenant. On va voir. On va voir qu'est-ce que c'est. Salut Alain. Salut Alain. Bonjour Monsieur Macias. Il est environ 20h35. Votre émission consiste, si vous l'acceptez, à occuper l'antenne de TF1 jusqu'à 21h35 ou 40. Après, vous pourrez rentrer chez vous, ou ailleurs, ou aller autre part, ou dans un endroit différent. Voilà. Mais pendant ce temps-là, il vous faut obligatoirement, pour des raisons que vous savez, et de la plus haute importance, joindre et engager coûte que coûte pour cette tranche horaire, Frank Sinatra, les Bee Gees, Liza Minnelli, Harry Belafonte, Shirley MacLaine, Amaya Rodriguez, John Travolta et Sammy Davis Jr. J'ajoute que si vous ou l'un de vos collaborateurs était en danger, nous ne pourrions rien faire pour vous. À la fin du message, la bande s'autodétruira elle-même. Vous verrez de la fumée, n'ayez pas peur, elle sera parfumée à l'eucalyptus pour les cordes vocales. Bonne chance et à bientôt. Ça fait du bien quand même. Ah oui. Tu peux respirer Alain, tu peux respirer. Ah oui. Ça fait du bien, hein, mais alors, ils sont complètement fous au quartier général, hein. Je sais pas si Aznavour, il l'a engagé comme directeur ah, là-bas. Ça, je sais pas. Il nous donne des drôles d'ordre, hein. Ah, ça, je sais. Parce que, alors, moi, comment je vais faire, moi, pour joindre John Travolta, Frank Sinatra? Si ça se trouve, ils sont même pas chez eux à cette heure-ci. Ils sont peut-être même au restaurant. Peut-être alors qu'ils viennent de quitter le restaurant. Ou alors, peut-être qu'ils sont en train de chercher un restaurant. Oui, surtout samedi soir, c'est bourré partout. Il y a du monde comme ça, partout, partout, partout. Alors, ils doivent être chez leurs beaux-parents. Oui, c'est ça, comme ça, ils ont pas de frais. Alors, comment faire alors? Eh ben, comment faire avec les frais maintenant, je ne sais plus où. Ah ben, alors, je crois que c'est une émission impossible. Ah bon, alors, moi, je vais vous dire, hein, ça, c'est une émission impossible. C'est une émission impossible. Impossible! Et avec ces photos, c'est encore de plus en plus impossible. Alors, monsieur, moi, je crois que je peux vous sauver la situation. J'ai d'autres photos à vous montrer si vous voulez jeter un œil. Et on pourra s'en sortir sans payer les frais de déplacement, les frais de voyage, les frais de restaurant, les frais de... Sans aucun frais, rien, j'ai des photos. Si vous voulez jeter un œil, j'ai des photos. Et qu'est-ce que vous avez comme photos? J'ai des photos, j'ai Tunis, j'ai Casablanca, le port, la pêcherie. J'ai par exemple Constantine, la place de la Brèche, la rue Caraman. J'ai Alger, la place du gouvernement. J'ai beaucoup de photos. Mais il rigole celui-là, mais il rigole. Mais c'est pas une émission sur les collections des cartes postales. Mais alors quoi? Qu'est-ce que vous voulez alors? Vous voulez un plateau? Vous voulez des artistes? Ouais. Eh ben alors j'ai pour vous. Pour vous sauver la situation, j'ai, mais c'est le dernier recours, la dernière cartouche, et ne me dites pas non. J'ai une équipe d'artistes première qualité, classe internationale, un plateau unique au monde. Ah bon, et on peut les avoir ce soir? On peut les avoir ce soir. Il peut les avoir ce soir. Montrez. Alors écoutez, c'est pas la peine, je les connais par cœur. On a l'équipe de Pénélope, la comédie musicale. On a Annie Cordy, on a Susanna Rinaldi, on a Petula Clark, on a Lucette Sahuké, Robert Castel, Catherine Bardin. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Vous voulez voler? Alors je vais vous dire quelque chose, hein, mon ami. Oui. Vous m'avez sauvé la mise, hein. C'est normal. Vous m'avez vraiment sauvé la mise. C'est hein. Normal, on est en équipe, c'est normal. Mais ce que j'ai oublié de vous dire, et ce que le quartier général n'a pas prévu, c'est que vous êtes compris dans l'émission et vous devez chanter. Ah bon, je chante pas en playback, j'espère. Pas en playback. Avec en direct. En direct. Avec un grand orchestre. Avec le grand orchestre. Dirigé par mon ami Jean-Claude Ric. Vous l'avez enlevé de la bouche, quittons-le.